Et voilà, c'est ça d'être une femme. J'arrive pas à faire mes équilibres. Ben, fitier, c'est super intéressant, t'es au centre. Quand on est au centre, donc on vole. Oui. Quand on est au centre, on vole entre les deux. Oui. Centre, c'est sud d'un côté, nord de l'autre. Et nous, on est là, à faire l'équilibre. Là, ici. Alors, on fait l'équilibre ici. Qui peut faire l'équilibre quand on est libre? Donc, on est bien chez les SDF dans la rue. Les équidistants. Regardez, dans la rue, ils sont libres. Oui. Donc, il faut être SDF. D'accord. Hein? C'est une bonne conclusion. C'est une liberté, ça, SDF. Ça, c'est une liberté. Bon. On en a trouvé un qui est, plusieurs qui sont libres. Donc, on met un S. Il y en a beaucoup de SDF. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on met un S. Eh bien, oui. Parce que mais si on mettait SDFS, ça irait pas. Ou DFS, non, ça fait fesse. Donc, on est parti là. Écouille, ça veut dire égalité. Et en fin de compte, on n'a aucune égalité. Donc, comment on fait? L'égalité, on l'a perdu, l'égalité. On l'a perdu, l'égalité. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Putain. Où on retrouve son qui? Son qui. Soi, son moi. Sont autrui, où on le trouve? Question et boule de gomme. Alors, quand on n'est pas aisé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on habite. On essaye d'être libre au milieu des bonhommes qui font tout, hein, et n'importe quoi. Voilà. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a le hymne, là. Là, il y a le hymne. Hein. Donc, il faut pour moi, il y aurait porte. Oui, la porte. De la liberté. La porte de la liberté, tout à fait. Porte de la liberté. Liberté. Donc là, on est dans la liberté. Comment on trouve la liberté? Je ne vais pas me mettre SDF. Non. Comment on fait? À l'hôpital. Non, on est enfermé à l'hôpital. Hôpital. Enfermé, on prend le bar. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On nous met en prison, on ne va pas quand même mettre prison, en prison fermé. Quelqu'un qui... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Dehors. Il faut trouver quoi? Il faut trouver l'extérieur, extérieur. Donc on est dans l'ex. Extérieur. Oui, on a un truc là-bas. Extérieur. Hein? On est dans l'extérieur, je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais enfin, on est dans l'extérieur. Donc il faut sortir de ce boublier et trouver un exemple où on a la liberté. Même si on est femme, comment on fait? On reprend des équilibres. Équilibre. Et encore, et qui? Voilà. Et on essaye d'être dans l'égalité au milieu de la liberté pour avoir les deux. Ouais, mais il faut de la distance, équidistant. Ou alors on est où? On est dans la danseuse, là. Dans la danseuse. Dans la danseuse. C'est joli. Alors, il n'y a qu'une femme qui peut être dans l'équilibre des deux, c'est une danseuse. Pitié. Parce qu'elle est dedans, là, elle est dedans la danseuse. Ah bah t'as plus qu'à danser. Et elle est en équilibre, la danseuse. Et elle est en plus féminine. Et bah alors, toi qui étais contre les femmes, et qui disais que tu voulais être un garçon plutôt qu'une femme. Et ben voilà, j'ai trouvé l'équilibre. Dans mon charabia, on a trouvé l'équilibre. Pitié. Il a fallu quand même le chercher. Bravo. Il a fallu faire ça. Regardez-moi cette circulation entre tout pour retrouver l'équilibre. Je vais prendre une photo. Pourquoi? C'est mon travail, ça. On l'a fait à deux. Alors, vous pouvez photographier. On en est dans ce bazar. Je sais pas où on est. Non, mais c'est bien. La danseuse, j'aime beaucoup. C'est pas mal, parce que c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec ta robe. Tu es obligé de mettre ton gilet avec le Frida Kahlo. Oui, obligé à cause de moi. Là, ils sont libres. Hein. Bon, là, on revoit la liberté. Là, ils sont libres. Ah, tiens. Libre et. Assoupi, comme moi. Je voulais faire la sieste. Donc, peut-être que j'avais besoin de sieste. Ah, putain. La sieste. Alors, là, il y a un S. Là, il y a un S. Et là, il y a un. Ça fait pluriel et pluriel des deux côtés. Et on est dans le tout.
du toit. On est complètement emmerdé par les autrui. Rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est noyé dans les autrui? Il y en a trop d'autrui. T'as ton propre ego au milieu des autrui. Comment tu fais pour faire des équilibres? Il faut arriver à l'équilibre, hein, au milieu de cette noyade d'autrui. Où est l'équilibre? Pour être libre, là. Dans l'égalité, puisqu'on l'a perdu. On est dans le fourbi, comme moi. Oui, dans le fourbi. Je me trouve dans ce cataboudin, là, dans le fourbi. À quoi? Prends un coup de prévert, tiens. Les fourbes, les pinces bougent, mais on tombe quand même, les gens. Et vous m'avez souri, souriant. Vous m'avez quand même... Avec les dents. Même. Les dents pourries. J'ai trouvé que vous étiez quand même de la culture française assez mousquetaire. Donc ça. Ah! Mais d'où t'as trouvé ça? Je l'ai trouvé tout à l'heure. Cette barbiche là. Hop! Alors on va mettre la barbiche. C'est marrant parce qu'il y a la barbie et la barbiche. La barbiche ici. Et puis là, des cheveux longs. Donc vous trouvez un peu la femme et l'homme là. Homme-femme. Voilà, très bien. Non, bah, vous êtes fin, même de langage. Donc vous êtes fin autant que les femmes sont fines. Fin, oui, fine. Donc, oui. Si je préfère fine si à fin. Si vous êtes fin, que vous arrivez enfin à cette égalité et cette liberté, vous êtes sorti l'auberge. De quelle auberge? Une auberge où il y a trop d'autrui. On est dans un monde, tout le monde est égoïste, égo au pluriel, et on ne trouve plus son égo parce qu'on est noyé. Hein? On est noyé dans tous ces égos là. Ça c'est pluriel, et ça c'est quoi? C'est une femme noyée là, au milieu de ce bourbis. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là on est dans... Tu prends la lettre là qui est là, et... Âge. Hein? Je prends âge. Âge. Et là, je vois âge. Âge, hein? On décortique. Ah, moi, je suis bac à deux. Donc, dans bac à deux, t'as le couple. Là, homme et femme. On est là. Oui, on est deux. Mais il faut centraliser le tout. Où est le centre? Dans ce bourbis. Alors, la femme qui est âgée, hein, la femme qui est âgée, eh bien, elle a plus de maturité. La maturité peut lui amener un équilibre qu'elle n'a jamais trouvé. Donc, il faut qu'elle devienne, dans le dent, la danseuse qu'elle n'était pas. Voilà. Voilà. Donc, on est dans le ça, c'est féminin. Dans. On est enfin arrivé le dans. On est enfin arrivé dans le in. Et dans le in, qu'est-ce qu'il y a? Pof, on recommence. Infirmité. Parce que il y a tellement d'ego qui se fracasse qu'on est dans l'infirmité. Comment on fait pour sortir de l'infirmité? On barre le in. Et on met tout à l'endroit. Ni. On est dans la négation de l'infirmité. Hein? D'accord. Bon, d'accord. Pour trouver ce bazar, on a trouvé l'art vocal. Et l'art quoi? L'art vocal. Alors ici, on enlève le in. Là, on met femme, puisque c'est F, on met femme. Et puis après, on envoie là. Là, c'est M, I, donc on met moi, puisqu'il y a M. La femme a son équilibre. Parce qu'elle a trouvé sa liberté en étant danseuse. En fin de compte, il faut devenir danseuse. Bah ouais, je crois qu'on tourne un peu. Danseuse. Je crois qu'on tourne un peu autour du même pont là. Oui, il faut toujours arriver à être danseuse quand on est une femme. Parce qu'on est dans les emmerdements jusqu'au cou. Et là, il y a encore un E, on est là-dedans. On est là-dedans, les flammes. On est dans les flammes? Les femmes. Oui, mais les flammes. Les flammes, où vous avez vu des flammes? Je sais pas, j'ai entendu flammes. Non, femmes.
Ah, pardon. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire danseuses à ce point. Oui, mais c'est une flamme. Entre le sud et le nord, il faut faire des équilibres. Ouais. Donc, qui c'est qui peut faire des équilibres et retrouver la liberté? Qu'une femme. Je suis d'accord avec toi. Hein? Okay. Sinon, l'homme ne le voit pas faire entre un... Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des équilibres entre l'homme et la femme. Non, ils font des déséquilibres. Oui, alors, on est dans les déséquilibres. Ouais. Bon, ben dans le déséquilibre, on trouve l'équilibre. Bah oui, forcément. Et on trouve aussi la liberté. Et donc c'est grâce au déséquilibre qu'on trouve la liberté libre. Et qu'on est libre. Dans la maturité. Eh ben on en revient. Dans la maturité. On en revient à ça. Dans la maturité. On trouve ça que dans la maturité, parce que sinon, si on trouve ça au début, c'est pas possible, on n'a pas assez d'expérience. Hein. On en revient donc, à ça. Il nous faut de l'expérience pour arriver dans la maturité à s'en sortir. Hein. Donc il faut, pour s'en sortir... Ex. Voilà, ex. Bah, exploiter. Non, il faut explorer. Extraire. Il faut extraire, voilà. Il faut extraire de la femme l'équilibre. Hein? Pour être libre. Pour être libre, voilà. Parce que le libre, il est là. Je vais te prendre une photo aussi. De quoi? Ce bazar? De l'équilibre. Sur Prévert. Voilà Prévert. Je l'ai mis dans un état catastrophique Prévert. Ouais, il est magnifique. Attends, comment il est magnifique une... le Prévert, moi j'adore Prévert comme ça. Là, c'est la pagaille. Ma pagaille. Je suis dans la pagaille. C'est moi de l'eau, tiens. Voilà. Ah, c'est pas de l'eau, ça. C'est de l'eau réservée. Enfin, je suis pas dans le bar. Là, j'ai pas carré le verre comme il fallait. J'ai carré le verre comme il fallait. Hein. Mmh. Voilà, pour carrer le verre, on va le mettre là. Je vais prendre une belle photo de tout ça. Vous avez besoin de bien. Ah, moi, j'aime bien. Ah bon? Comme ça, je me souviens. Vous arrivez à vous, pourquoi vous en faire bien? Mais pas vraiment, justement. Ben, on s'en sort jamais. Si. Alors, on recommence. On est dans... Dans le Prévert, hein? Effort humain. Il faut de l'effort humain. Hein? On est... Dans humain, on trouve humain. Hein? On trouve humain. Voilà. Donc, on trouve humanité. D'accord? Humanité. Donc, humanité, man. Oui. D'accord? Oui. Ça, humanité. Donc, on a trouvé la main du corps. Du corps, du te, du tu, du et toi. On a trouvé le thé. Le toi. De toi. De toi. Voilà, le thé ici. Voilà. Le moi est ici. Ouais. Ça s'en fait du moi. Ouais. Bon, non, non, les, pas... dans l'ego, ouais, il y a le haut. Ouais. Il y a le haut du toi. Voilà. Voilà. Dans l'ego. Oui. Mais oui. Ces égos mélangés dans les plurières ne se retrouvent plus. Donc ils sont noyés. On a parti la noyade, elle était là. Dans l'ego, on est noyé. Surtout s'il y a plusieurs égaux. Est-ce que tu mets quoi sur l'ego là? Tu mets, tu mets pas sur l'ego, tu mets sur l'aise. Je mets l'aise des égaux. L'aise des égaux. Les autrui. Laisse les égaux. Laisse les égaux. Ouais. Laisse des égaux. Alors là, on a le S. Pourquoi on n'arrive pas à se retrouver dans ce bordel? Parce qu'on nous tient tous en laisse. On est toujours enterré dans sa laisse à l'intérieur de soi. Non? Je pense. Non? Je pense, mais ouais. Hein? Ouais. On est ouais. Tiré par une laisse. Ouais. On est tiré par une laisse. Comme un chien. Exactement comme un chien. Qui pisse. Qui pisse et qui fait n'importe quoi. Qui fait qui pisse n'importe quoi. Le chien, il est égal à la nature, hein? C'est un animal. Hein? Animal. D'accord. Donc nous, avec notre histoire de laisse, on est comme le chien qui pisse hein? Partout. Et on est dans un tout qu'on ne comprend pas. Tout question. Comment le trouver? Alors là, on barre ça, le thé de ce côté, le thé de l'autre. Où on va? Où? Dans l'équilibre de tout à l'heure. Et on se retrouve toujours libre
que dans la danseuse féminine. Donc si cette danseuse féminine n'arrive pas, on est dans le caca boudin. Voilà. Hein? Non? Hein? Mais la danseuse, pourquoi tu la bats? Ben, la danseuse, il faut que je le devienne, moi, puisque je suis dans la... Alors moi, à la maison, je fais de la danse. Alors, à la maison, on a le droit de danser, hein? Voilà. On est dans le dan, de danser. Dans le dan. Dans le dan. Et on retrouve le... l'huile. Donc, on nous fout tout à l'envers, hein? On est dans l'huile. Pour trouver sa liberté, il faut tout inverser. Voilà. Puisque la danse... Si tu inverses le yin, ça fait... Ça fait l'équilibre. Parce qu'on nous met tout de travers. On y arrive. Ouais. Il faut d'abord étudier où on va passer, parce que sinon, c'est pas possible. Pas mal. Le où de la, le où, va, où on va passer. Question. On passe où? Donc on est dans le pas. Donc c'est le pas de la danseuse. Qui est dans le pas, à trouver pour, pof, on fait ça, pour retrouver sa liberté, et c'est le vocal, et la liberté, on peut remettre... Mais ça lit, ça lit. Ça. Sali, le lien. Sali, voilà, Sali. Attends, tu vois Sali. Moi, je voyais Sali. Non, elle est dans la saleté, donc elle ne peut pas voir ça. C'est mon égo. Tu fumes? Non. Tu devrais t'y mettre. Pourquoi? Je ne vais pas fumer des pétards à mon âge, hein. Ben, tu devrais. Égo. Question. Comme vous devriez, vous devez faire un échange. Donc, on est sain. Qu'est-ce que moi, je fume pas, moi. Je fais du yoga à la maison, le matin, le soir. Arrête, ça, c'est la je vais reprendre un petit vin. Alors, ouais, t'as payé pas le premier. Ah, j'ai payé que le premier. Non, mais au plus, c'est pas le problème, c'est juste le côté. Oui, oui. Donc, tu vas pas te combien, hein, combien je te dois, là? Tu veux quoi? Un verre d'eau, un truc? Un verre d'eau, s'il te plaît. Un Perrier? Allez, j'offre un Perrier. Et comment tu t'appelles, au fait? Nicole. Nicole Fatima. Bonjour. Nicole. C'est malin, ça. Ah bah ça, c'est rigolote, Nicole. Nicole, tu nous colles. Ah, je m'appelle Nicole, moi. C'est pour ça que je suis dans le in et dans le ni. On m'a tout foutu à l'envers, donc je suis dans le ni. Ah, bah, t'as pas aimé? Non, je suis pas faite pour être une femme. Nicole. Alors moi, la colle, je suis toujours dans les emmerdements. Nicole, depuis... se saoule à l'alcool. Et Nicole nous saoule sans alcool. Pousse-moi, Nicole, t'as le bras qui déborde sur les côtés, je te vois. Tiens, t'as mis ton... j'ai mis ton verre là-bas. Ah ouais, merci. Alors, je vais enlever les cheveux, tu t'énerves pas, Nicole, parce qu'il y a des... il y a des beaux dessins ici, hein. Allez, vas-y, tu voulais pas en faire un tour, là, ça règle.